43e minute, 2-0 pour Servette. Et évidemment, oh là là, ouais, Burki, là, faut quand même faire des. Ouais, faut sortir du jaune là parce qu'on n'est pas loin de l'attentat là sur Stevanovic. Et du coup, petite séquence de brasse camarade comme vous l'avez dit, un arbitre québécois de hockey. Une fois, ouais, c'est un peu chaud, mais Burki, là, faut se calmer là parce qu'on va revoir la faute, elle est énorme. Il y a évidemment de la frustration et il y a même M. Tchouki qui du coup va demander à M. Scherrer dans le fameux camion si ça vaut pas mieux que jaune. Ah bah désolé, c'est rouge hein, pour moi. Désolé, il n'y a aucune chance d'avoir le ballon. Le geste, il n'est pas du tout maîtrisé. On peut en tout cas être sur le rouge. Et derrière, Schalke, il n'a pas à venir faire la police non plus. On va voir si M. Tchoudi change la couleur du carton. Il va déjà convoquer Schalke, qui va en prendre un aussi, normalement. Ça serait logique aussi. Alors, jaune pour Schalke et... Non! Oh, comment ça? Oh non! Oh non! Rouge pour Alex Schalke! Non, alors là, non, c'est... Et là, c'est... Non, mais là, c'est n'importe quoi, là. Là, pardon de le dire, c'est n'importe quoi. On est en train d'assister à du n'importe quoi. Jaune, oui, parce qu'il vient faire la police, mais l'attentat... Et il y a une guerre rouge aussi. Non. Alors là, là, on est énorme. Là, pardon de le dire, hein, voilà, même si... Voilà. Un camion et quatre arbitres dans un camion pour une décision pareille, c'est absolument incroyable. C'est incroyable. J'ai hâte d'entendre Eddy là-dessus, mais voilà, on veut pas jouer les pros Servette, mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui se passe là est incroyable. Ouais. Ah ouais. Ouais, on peut discuter des heures, messieurs, mais l'attentat, il est lucernois, pardon de le dire. Et si on expulse, alors... Si on expulse Schalke, moi, je veux bien jusqu'au bout. Mais alors, on expulse... Non, mais sérieux. Soyons sérieux, messieurs. Soyons sérieux. Ah, on va peut-être quand même dégainer du rouge, non? Ça serait le minimum. Et évidemment, ça fait 3 minutes qu'on discute. Alors voilà, on peut être pour le VAR. Mais là, c'est une situation qui est ubuesque. Et il est paumé. Du coup, l'arbitre, il est paumé parce que c'est plus lui qui arbitre. Voilà, le problème, il est là aussi. Le problème, il est là aussi. On a quatre arbitres dans un camion qui discutent entre eux. Voilà, et M. Tchoudi, il est plus serein. Comment perdre les clés d'un match, on le disait, en tout point remarquable, et dans l'attitude et au niveau même de l'arbitrage, comment on perd les pédales en 5 minutes? Parce qu'il n'y a plus un seul avis, il y a 5 avis. Et on n'a toujours pas repris le jeu. Ouais, c'est d'autant plus dommage hein, qu'Alex Schall qui... Il est buteur, il est passeur décisif, il était vraiment en train de réaliser une performance de très très haut niveau, le néerlandais. Alors que, ouais, que Burki soit sur le terrain, c'est, ouais, c'est juste un scandale. Juste un scandale. Et Servette à 10 avec son entraîneur en tribune. Il va falloir tenir 4 minutes encore avant le repos. Et puis il y aura 45 minutes à jouer dans des conditions pas évidentes.